Yo tout le monde, c'est Guncho de la Fume Steam. Aujourd'hui je suis sur Rust. Après le devlog 63 qui m'a vraiment plu. Donc là je vais faire une petite vidéo bon uniforme on va dire. Parce que franchement ça change tout au tout le jeu quoi. Franchement c'est pas mal, je mettrai enfin les devlogs que j'ai pas pris en vidéo. Je suis vraiment navré, mais j'ai... on dirait un peu mis en pause les vidéos pour jouer. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une nouvelle vidéo. Donc on va choisir les serveurs. Je crois que normalement de mémoire, ils avaient dit qu'il y avait les serveurs PVE et PVP. À moins qu'ils ont oublié de les mettre, mais normalement il y a ça. Enfin normalement. Mais apparemment ils l'ont pas mis. Je pense. Alors, on va juste sur ce serveur parce qu'il est sympathique. Apparemment, ça. Ouais, pourquoi. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Okay. Ah, WAN, connexion, protocole. Ok. Communauté. Serveur bas du moins. Allez, on va sur Warrust. Voilà. Apparemment ils ont de mémoire ils ont jeté une airline base, enfin plutôt un raton nouveau. Donc ça peut être sympathique. Les routes sont normalement un peu plus grandes. Des poteaux électriques, des rivières refaites. Ah oui maintenant aussi il y a les flèches, comment dire, qui. Quand vous tirez en fait avec les flèches, ça reste dans le sol. Ça agrafe sur les parois ou au sol. Comme ça. Et franchement c'est pas mal, donc enfin je vais essayer de vous montrer dans la vidéo. Aussi pour les lances, franchement c'est pas mal du tout. On peut les envoyer maintenant. Bon, on peut lancer des lances. Et franchement c'est pas stylé. Donc voilà. Oh. Oh my god. On a combien de vitesse? 27. 28 ouais. 30, 31. Comme ça. Donc me voici dans le nouveau Rust, bon, un peu moche normalement. J'appuie sur ça, c'est F1. Donc, on va du moins voir le système même. Donc ça c'est mon PC. Entity list. Alors item. Normalement il y a toujours ces armes, il n'y a pas encore vraiment assez d'armes à feu. Construction, il y a toujours ça. Un item. De recherche, je vais ça. Ressources, choses en ressources à trait. Tac, normalement, ils avaient dit qu'ils s'est rajouté hein. Des têtes, je sais pas, chapeau bougie, hein. Autre chose, je pensais qu'ils avaient rajouté des choses. Bon, en tout cas je crois que normalement il y a la torche lumière là normalement. Pas normalement. Apparemment non. C'est peut-être un outil tout qu'on peut récupérer ou pas. Ah, roquette incendiaire. Donc la chambre normale. Non, il y a la flèche haute vélocité qui est rajoutée. Et enfin il y a des munitions qui sont du moins incendiaires. Donc franchement c'est pas mal, bon, il y a toujours cette frappe. Putain c'est une note. Bon ça on va dire ça n'a pas trop changé. Donc voilà, après le menu par contre le menu de pour graphique ils ont après changé. Mais franchement c'est plus lisible comme ça je trouve. Donc voilà après il y a un problème à trait, bon, moi ça va ça tombe bien.
pour dire je suis à 28 FPS, donc c'est pas dégueulasse. Là il y a ça. Bon, F3 normalement il n'y a plus du tout. F4 bon, ça sert à rien. Hop, et... Donc c'est ce que je vous disais. Alors maintenant les routes, on va dire elles sont plus grandes. Donc, vous voyez où elles sont pas mal du tout. Ils ont ajouté les poteaux électriques et franchement avec enfin du moins les câbles, et franchement c'est pas mal. Je sais pas si enfin en tout cas je pense que vous pouvez pas voir qu'il fait nuit. Mais voici un poteau. Haute voltage. Donc, franchement le jeu commence vraiment mais vraiment un peu quand même à changer. Là, coucou, je suis à l'attente d'un bus. Il y a un bus dans le coin là. Il y a un bus, ouais, franchement. Là, il y a des poubelles. Non, non, c'est un blanc, c'est tout électrique. Merde, ouais, c'est tout électrique. Normalement, il y a un tonneau, il y a un tonneau, je vais taper dessus. Avec ma torche. Ah, carrément, maintenant, ah, stylé. Au moins, maintenant, c'est l'outil qu'est-ce que le conteneur. Sa vie quoi, franchement c'est pas mal du tout, moi je dis bravo. Ah chouette. Oh merde, les plaques. Ah c'est pas chouette, gotcha. Alors on va y voir, moi c'est mieux fait. Alors, on met ça là. Ah mais quand je suis là je vais voir du moins direct ici. Alors il y a toujours chez moi. Ah maintenant ils ont vraiment mis la gueule prochain. Pas mal ça. Ça là, bon, ah voilà, ça c'est pas mal. Ah franchement c'est pas mal du tout. Ils ont revu franchement le modèle de craft. Pas mal ça, ça me botte vraiment mais vraiment bien. Oui, je vais rajouter ça. Ok. Tapé avec comment ça fait chaud. Attends, je vais être capoute donc. Je sens pas les stacks. Attends, je pose. Les flèches sont comme ça, elles se plantent dans le sol. Je trouve que c'est vraiment stylé quand même. Nice. C'est nice. Et franchement les routes elles sont pas mal purée. Non, ça fait stylé. Au moins ça fait vraiment un truc après apocalypse. Aussi normalement les rivières vont être retouchées. Ah oui, je vais vous montrer un truc aussi. Ça, par exemple, là, vous voyez, il y a un truc par terre. Vous allez voir, qu'est-ce que c'est ? Bah, figurez-vous que c'est des minerais. C'est des minerais, maintenant on peut choper les minerais par terre. Ah, voilà. Oh, pétain, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un champi ! Oh ! Oh ! Un champi ! Oh ! Chouette ! Par contre, je suis pas très bon en anglais, mais. Attends, bon, je vais en. Chouette, on peut manger maintenant. Les purées, on peut manger ça. Équipé. C'est pas mal qu'on puisse prendre franchement ces trucs. Hein.
ouais, chouette. Ce sera le faire. Oui, hein. Ok, pas de pistolet. Et de l'arme plus rapidement. Je rejette ces deux trucs. Ok. Voilà, maintenant je vais faire ça. Ok, d'accord. Alors, oui, ouais, je pense, on va se crafter ça. Ok. 1058 secondes, ok. Ah, maintenant ça se mélange. C'est pas mal ça. Pas mal du tout, pas mal du tout. Là, je suis en dessous. Je rigole. Bon, l'arc, tu vois, c'était parfait. Hein. J'ai bien un arc. Un seul son suffit, amplement. Je peux le jarter. En gros, si vous avez des charpies sur votre construction, vous pouvez les ramasser. Par contre, ça. Hop. Bon, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose. Franchement, le jeu est vraiment plus immersif. Normalement ils ont fait des nouveaux bruits, ils ont rectifié que c'est un bruit d'ambiance normalement. Comme j'ai le voile sympathique dans les biomes. Et aussi ils ont fait la lumière, regardez moi ça bordel. Enfin, perso moi ça me passe bien. Enfin, après je sais pas si vous voyez ce que, vraiment ce que je vois parce que moi mon écran il est c'est un Yama. Donc on va dire c'est de bonne qualité mais après je sais pas si. Ma carte vidéo quand j'enregistre ça fait ses effets mais donc, je peux pas taper récupérer les trucs comme dans arc mais c'est vrai que ah, ça c'est oh, okay. Nice. Là, on ramasse des choses partout et pas mal du tout les rochers sont un peu mieux faits je trouve le décor est bon, c'est tout montagne au loin hop et tard. Ce jeu, je vais pas le lâcher d'ici tôt. Bon, à part la guerre, peut-être. Bon, il y a des pics assez importants. Il y a beaucoup de végétation, ils vont rajouter plein de choses, je pense. Oh, part de connerie. Ouais. What the go. J'ai faim, je suis là. Okay. Voilà, la végétation est toujours aussi jolie. Des sortes de biomes, les biomes apparemment ils ont changé quelques trucs dans les biomes. Pas mal. Ok d'accord, maintenant ça affiche aussi la durabilité apparemment du rocher. Apparemment je crois que c'est un peu bugué parce que là ça enlève le truc. Si ça casse encore. Voilà. En gros, il faudra les outils en fait. Celui qui en mangera le moins et qui récolte le plus, on va dire, sont bénéfiques. Ok. C'est des choses, enfin, crash. Attention. Par contre aussi pour les boîtes et tout, il y a des points de vie maintenant qui sont apparentes. Enfin qui sont apparentes. Voilà, ça c'est pas mal. Ah oui, la lance. Alors, j'ai la lance. Wow. Oh merde. Ok les gars. Oh. Ça enlève un peu, tu vois. Je crois attaquer normal avec. Comme ça. Bon,
dire, c'est vraiment ça. Je peux croiser un animal tout à l'heure. Petit cerf, charmant petit cerf. Viens là, petit cerf, je vais pas te faire mal. Je vais te lancer une. Oh, mais reviens! Hop, hop, c'est un ours. C'est pas si c'est une bonne idée d'attaquer un ours. Celui-là, sera peut-être. Par contre, il est bugué à l'arbre. Ouais, par contre, ça c'est chiant, ça c'est bugué. Je vais l'entamer à l'arc. C'est trop de flèches. Ah ouais. Ah carrément. Ah carrément. Oh. Mon ours, où tu vas? Je vais te passer moi. Ah rien. Ah pétard l'enfoiré. Ok, donc maintenant pour déplacer ces animaux, il montre la capacité de la blessure. Attendez. Ressort les photos. Pas mal du tout. Bon, je t'ai fixé à 4 pour. Ok, il veut you quoi. Alors, c'est quoi? Ah, mais là. Comment que ça lagait, je sais pas. What the hell? Je peux pas récolter mon monstre. Ok, d'accord. On va essayer de choper un autre animal. Pour voir si c'est veut you. Parce que là, c'est un peu chaud. Et là, waouh! Une ligne haute tension! Hop, là ça pique. Bon, j'ai un va, mais je sais pas si ça va suffire. Merde, j'ai coupé ça. J'ai vraiment rien à perdre. Après, on va dire, mais. Let's go! Je vais prendre cher Marès, je crois. Irradié, mais je crois que ça passera avec le temps. Loup. Le loup. Loup. Oh putain. Ah, je crois qu'il était bugué. Bon, je suis mort. Je suis mort. Je suis mordu. Mordu, hashtag. Wouhou. Je suis mort. Pitié de moi. Vas-y, je. Waouh. Je suis mort. Waouh. Je suis. Voilà. Coucou. Chez moi. Bon, ma bite. Alors. Les avions normalement ils étaient revus à la. Revus quand même. Ils sont plus grandes du moins. Et voilà. Oh, trois fois. Bon. Là. Je vous montre quand même le craft des métaux. Je crois qu'il y a un truc qui change normalement. Moi aussi je vais faire un pion. Et avant de crever. Hop. Non, ça le fait pas direct. Ok.
oublie pas. Je sais pas si. Je sais pas où je vais. Je suis au même endroit. Je peux la rater. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas vers là-bas. Si quand vous marchiez dans là, normalement les AirPods, normalement ça merde, ça pile les machins. Oh, cheval, oh, du cheval. Est-ce que tu sautes des 4 mètres ou ils ont réactivé ça? Je me rappelle là, toi tu sautes des 4 mètres. Ah bah. Enfin, tu traverses toujours un joli rocher, même. Je t'en veux pas. Perdu. En tout cas, c'est plus joli le jeu. Franchement, il travaille assez bien, faire refuse. Je t'assure. J'ai rencontré un objet, comment dire, assez loquace. Il est transparent. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un objet assez bizarre. Tu sautes dessus? Ah ouais, je peux. Ok, je suis sur un bloc invisible, hein, pour moi, cheater sinon, dans nous. C'est un peu familier ça. Eh le cochon! Tiens, mange le cochon. Reviens. Reviens, je vais donner juste un coup de caillou, reviens Léon. Comment il fait pour respirer lui? Un cochon sauvage! Viens là! Comment s'amuser sur un. Ah, je cherche un. Ah, reviens! Un coup! Ah! Pas dans l'eau! Pas dans l'eau! Fuck! Reviens! What the fuck? J'ai une course rapide dans l'eau. Ok, bon. Non, c'est à la limite. Putain. Il fait trop froid. Ouais. Oh, cochon. Bien quand même. Ouais. Putain, faut pas étonner. Il y a plus de glace qu'on peut faire. Les os. Normalement, ils ont réglé le problème des cascades. Je crois que normalement, il y a un. Oula, on entend vraiment que c'est. Ça commence à achever là. Que c'est chaud. Ouais, quand on est derrière un rocher, en fait, ça fait ce bruit. Oh, frais. Normalement les rivières ont été revues à la normale. Il n'y aura plus des rivières, on va dire, à 45 degrés qui plantent vers le haut et qui les rivières, enfin le cours d'eau, il est bizarre. Ça va là, ça va. Et bam. Oh. Oh. Oh, il était sous noyé. Oh, moins 10. Ah, moins 7. Ah, ça fait froid, ça. Je me rapproche de ce biome désert glacial. Ok. Ah oui, j'ai fini ça. Et je crois que ce sera tout pour le moment, je pense, parce que la vidéo sinon va faire des kilomètres. Ah ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge là, mais j'ai peur que ce soit un ours ou un loup. Vu le bruit. Mais on va éviter de chercher la bestiole. Ok.
Donc voilà, alors c'est toujours bleu et rouge, ok d'accord. Ça c'est pas tout changé. Alors maintenant c'est en rouge, ok. Oui, c'est charmant. C'est en rouge. Et maintenant ça nous dit combien de bois il faut en fait. En gros, sur une base il faut 50. Ouais, chez nous, c'est un peu tout ça. Qui remettent ça en fait de... c'est vraiment c'est assez classe quand même. On va essayer de bien viser ce crochet avec ce putain de tarbe. J'ai assez chaud. Alors. Et maintenant, si j'ai bien compris. Alors, maintenant on peut miser un nouveau bois. En gros maintenant ça montre, alors ce que je voulais savoir en fait c'est ça, ouais. Pour clairement ça nous dit qu'est-ce qu'il faut maintenant, c'est bon, pas mal. Bon, la tôle par contre on s'est agité parce que ça a pas beaucoup aussi, ça des 300 de vie je crois normalement de base, mais un CK suffit pour le défoncer. Donc on va rester sur de la pierre pour toutes les constructions de base, enfin vous voulez faire construire une maison. Bon, le bois c'est limite si vous avez pas de pierre, mais bon, en gros là j'ai 350 de bois et ça va me prendre 200 bois. Ok, donc voilà. Ça après, ok, je change pas du tout. Tranquille. Mais c'est toujours pas mal. Voilà. Je pense que je ferai une autre vidéo s'il y a d'autres changements, mais normalement il y a, ça devrait être pas mal comme ça. Ok. Oh. En fait, c'est une autre rivière que une autre rivière. Il y a un truc à Yasu. Ouais. Le cheval. Faut j'en plus un 6, on ne débat. Si vous voulez, vous mettez ça en commentaire si vous voulez. À passer, mais je crois que ça va passer. Dommage. Dommage qu'on peut pas se mettre à allonger. C'était stylé. Allonger, là tu rampes jusqu'à là-bas. Quand même, ça, c'est frais, hein, au cas où si tu fais attaquer. Il est dessous comme ça, là, tranquille. Là. Cavité souterraine, c'est pas mal. Oh putain. Ah, c'est pour le floor. On va éviter de rentrer dans le gelé, sinon je vais être un esquimau gelé là. Bon, je vais vous laisser sur cette phrase. Parce que franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Donc je vais me taire. Et je vais, comment dire, adios, paysage, c'est grandiose. La pierre, partout la pierre, je parle. Rust. Malgré qu'à côté il y a Arc, et Arc est, je pense qu'il y a vraiment à voir là, il y a vraiment rien à voir, du coup c'est pas le même univers là. Niveau texture et niveau niveau végétation on va dire, c'est pas le, du tout le même genre. Et pour un peu je ne partirai pas de Rust en tout cas, malgré que j'ai Arc, mais pas grand chose. Bon, ben, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. C'était Gunshot FM Steam. Bye bye.